know what I mean. Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on est en compagnie de Lia. Salut salut. Parce qu'aujourd'hui on a volé la chaîne d'Abdel. Et oui, Abdel est allé au foot. Et pendant qu'il allait au foot, et ben on lui a volé sa chaîne. Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de moi, De Momo et de sa future histoire d'amour qui est en train de se développer. Bah oui, parce que ce petit coca il est chéri. Bah ouais. Et du coup bah on va en parler un petit peu. Dis-moi Momo. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que t'es avec ta chérie? Que je la connais ou que je suis avec elle? Que t'es avec elle. Ah, bah ça fait 2 mois et 3 jours je crois. Waouh, tu m'as caché ça pendant tout ce temps. Non, c'est vrai. J'étais même pas au courant. Et tu la connais bah, depuis que t'es rentrée au collège, non? Ouais, depuis que je suis au collège. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Mais explique un petit peu ce que tu fais et tout avec ta chérie. Elles sont hyper bonnes, je te jure, c'est vrai. Elles sont bonnes? Ouais, elles sont le parfum Dove. Enfin, le truc gel douche Dove. Je te jure, c'est vrai, elles sont trop bonnes. Explique un petit peu ce que tu fais avec elles. Eh ben, je parle. Je parle. Tu parles, c'est tout? Ouais, on parle. Tu vas pas manger avec elle et tout? En fait, c'est compliqué parce que j'ai pas d'argent. Et je voulais l'inviter au McDo, tu vois, mais j'avais 4 euros. Ah oui, ça va être compliqué de l'inviter au McDo. Je voulais lui payer un frappé, tu vois, mais... C'est soit elle, elle boit le frappé, soit ouais, c'est soit moi, et moi, vu que je suis un dalleux, je vais le boire, tu vois. Ben, moi, ce qui m'a plu chez elle, au tout début, c'était qu'elle sentait bon. Et après qu'elle sentait bon, c'était qu'elle était belle. Et après qu'elle était belle, c'est que j'aimais sa coupe de cheveux, tu te rappelles? Ah, c'est la fille aux cheveux rouges. C'est elle? Ah, mais je sais, c'est qui alors? Parce que je vais vous expliquer. C'est pour ça qu'il me dit tu te rappelles, parce que au début de l'année scolaire, je lui ai dit alors les filles de ta classe elles sont jolies. Il m'a dit oui, il y en a une, j'aime trop ses cheveux, elle a les cheveux rouges. Et c'était au moment où moi, en fait, j'allais me faire les cheveux rouges et il me disait peut-être que ça sera comme la fille qui a les cheveux rouges dans ma classe, c'est trop beau, elle a des trop beaux cheveux et tout ça. Il me parlait que de ses cheveux en fait et je pense qu'il est tombé sous son charme parce qu'elle avait les cheveux rouges hein. Non, c'est pas ça, tu vois. Mais après, dès qu'elle les a enlevés, les cheveux rouges, c'était quand même beau, tu vois. C'était noir, c'était beau. Mais le rouge, c'était meilleur pour moi. Et après, dès que je commençais à lui parler, et ben au début, elle s'en foutait, t'as vu, elle me connaissait pas. Et après, t'as vu, j'ai commencé à faire ma technique de... De drague. Ouais, t'as vu, ça, c'est... Je peux pas le dire, c'est confidentiel. C'est ma technique à moi tout seul. Et après, et ben voilà, c'est... Tu vois, c'est... J'ai géré, quoi. Et du coup, elle te connaît en tant que youtubeur ou elle sait pas que tu fais des vidéos? Bah peut-être qu'elle voit cette vidéo. Ah, peut-être qu'elle va la voir. Bah alors, faut pas dire n'importe quoi. Hein. Je suis désolée pour le McDo, je te jure, c'était pas voulu. Hein. Et elle s'appelle comment? Non, je dis pas son nom. On va la surnommer Tabata. D'accord, on va dire qu'elle s'appelle Tabata. Et elle a quel âge, Tabata? Hein? Elle a quel âge? Elle a mon âge. Elle a ton âge? Ça va. Elle a 1 mois de décalé que moi. Elle a 1 mois de décalé? D'accord. Et bah du coup Momo, bah voilà, pour toutes les filles de la chaîne qui voulaient absolument avoir le numéro de téléphone et tout de Momo, et bah il n'est pas disponible les filles, c'est mort depuis 2 mois. Non, c'est jamais, dès que je vais la quitter, venez quand même. Arrête la pauvre. Non, je rigole. Il va pas, ta bataille te quittera pas, ta bataille. Je te quitterai pas, j'aime trop ta couleur de cheveux. Ok, d'accord. Ok, donc si demain tu deviens blonde, peut-être qu'il y a moyen qu'il aime plus ta couleur de cheveux. Non, non, je l'aimerais tout le temps, elle est trop belle. Elle est trop belle, elle est gentille. Ouais, elle est trop gentille. Elle est intelligente. Ouais, elle est intelligente. Elle se la pète pas? Non, jamais. D'accord. Elle parle pas, elle est timide. Elle est timide? Et tout le temps, dans le contrôle, elle me donne les réponses. Ah non, ça faut pas, Tabata, non. Il faut le laisser travailler, Tabata. Merci beaucoup, d'ailleurs. En mathématiques, elle est derrière moi, toujours, dès que je galère à faire mon arc de cercle et tout. Elle m'aide, elle me dit, il faut être délicat. Elle prend le compas et elle fait ça. Bon bah voilà, Momo il nous raconte son histoire d'amour. Ouais. Quand Abdel va voir qu'en fait on a perquisitionné sa chaîne pour raconter l'histoire d'amour de son frère, je pense qu'il va nous tuer. Il va nous tuer. Tu passes un bon foot, Abdel. J'espère que tu t'es amusé au foot. Quand tu verras cette vidéo, bah ton frère aura déserté la maison. Ouais. Il va donc voilà, on voulait un petit peu prendre la chaîne et puis raconter un petit peu l'histoire de Momo, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes jeunes qui nous suivent et qui aiment les histoires de Momo. Donc voilà, Momo est en couple depuis 2 mois avec une fille bon, qu'on va appeler Tabata, qui a des cheveux rouges, qui sent bon le Dove. Quoi, et qui est très intelligente. Et des fois elles sont le scorpion, ou je sais pas comment ça s'appelle. Le parfum? Ouais, elles sont le parfum. Non, je vous jure, chaque fois je passe à côté d'elle, je fais...
Et tu montres à l'école que t'es avec elle ou tu le caches? Il y a deux personnes qui le savent. D'accord, même elle, elle veut pas que les gens savent que non, mais il y en a beaucoup qui le savent, tu vois, mais genre... Il y en a beaucoup qui le savent, mais il y en a pas... c'est pas... voilà, quoi. D'accord, ben voilà. Est-ce que t'as un message à dire à Tabata? Tabata, je t'aime. Oh, l'amoureux. Donc voilà, ben écoutez, nous on vous fait des gros bisous. C'était l'histoire de Momo, son histoire d'amour que peut-être dans une semaine n'existera plus, mais bon, voilà, on voulait vous la raconter. En tout cas, ça fait deux mois, il me l'a caché, et moi. Et sa mère regarde mes vidéos. En plus, tu me l'as pas dit. Eh, j'ai vu sa mère. Ah ouais? Ouais. Oh, t'as déjà rencontré sa mère? Ouais, c'est vrai. Oula, ça va vite maintenant. Et sa mère regarde mes vidéos. Ah bon? Ouais. Et elle aime bien? Elle dit, ah, ma fille regarde les vidéos dans son téléphone des fois. Attends. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, sa mère? Elle m'a raconté un gros dossier sur elle. Elle m'a dit, dès qu'elle rentre et dès qu'elle part le matin à l'école, elle dit, ah, oh, mais est-ce qu'il va me trouver beau, elle belle aujourd'hui? Ah, oh, mais est-ce que je vais sentir bon aujourd'hui? Elle dit tout le temps ça à sa mère avant d'aller à l'école. Ben, je crois que c'est parce qu'elle t'aime beaucoup. Ouais. Avant d'aller au collège plutôt. Voilà. Et bien, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non. Ben voilà. Ben écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un très 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 gros pouce bleu. Et si vous voulez qu'on vous fasse plus de vidéos dès qu'Abdel n'est pas là. Ouais, dès qu'on perquisite ça un petit peu. Même s'il va savoir qu'on va faire une vidéo, et ben, n'hésitez pas à liker. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous raconter ma belle histoire d'amour. Et n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, laissez un commentaire, on tente les... 10 000 likes? 10 000 likes. Allez, 15 000 likes, moi je dis 10 000, parce que... 15 000, allez. 15 000 likes. Allez, donc c'est si vous voulez une suite, n'hésitez pas à liker, on vous dit ciao avec l'IA. Ciao, ciao.